vidéo un petit peu idée lecture. Normalement, le jour où je poste cette vidéo, c'est le jour de mon anniversaire et j'avais envie de me lancer un peu comme un petit challenge, mais vraiment sans pression, pour lire des titres avant mon prochain anniversaire. J'ai envie de me faire un petit challenge pendant un an. Et j'ai bien réfléchi, je me suis demandé si j'allais me noter par exemple des titres à lire. Vous savez, sur les listes, les titres à lire une fois dans sa vie, enfin, j'ai regardé un petit peu ce genre de liste, mais ça me tentait pas plus que ça, et je me suis dit que je voulais découvrir des titres, notamment Young Adult et Jeunesse. Parce que c'est un genre qui, au fur et à mesure de mes lectures, j'y reviens quand même de moins en moins, même si c'est quand même un genre que j'aime beaucoup. Et j'avais très envie en fait de découvrir certaines sagas et certains one-shots aussi, qui ont été vraiment des succès, ou alors ils ont vraiment fonctionné à l'époque où c'était sorti. Et du coup, c'est un peu une vidéo participative parce que j'avais bien envie de vous demander également quels étaient vos titres young adultes que vous me conseillez. Alors il y a des titres forcément que j'ai déjà lus, hein. il y a pas mal de grosses sagas que j'ai déjà lues. Je ferai également le tri dans ce que vous me direz sur si jamais vous voulez mettre ça en commentaire. Mais n'hésitez pas à me donner du coup vos titres young adultes que vous avez adorés, que ce soit en fantasy, fantastique, en thriller, en contemporain, enfin vraiment peu importe le genre. Je suis assez curieuse un petit peu de découvrir ça, et j'ai noté déjà quelques sagas et quelques one shots que je voulais vous partager, des titres que j'ai trouvé en faisant des petites recherches, et également des titres que vous m'avez déjà partagé sur Instagram. Donc je vais vous partager un petit peu ici ce que j'ai déjà trouvé, et n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me donner vos sagas coup de cœur, ou alors vos one shot coup de cœur en young adulte. La première saga que je vais vous présenter, c'est City of Bones, donc la saga The Immortal Instrument de Cassandra Clare. C'est une saga de 6 tomes, il y a également pas mal de sagas qui sont sorties en spin-off. J'avais tenté le premier tome il y a pas mal de temps, mais j'aimerais bien essayer de retenter parce que il y a beaucoup de sagas spin-off justement qui m'intéressent, et j'aimerais quand même bien lire la saga principale. Donc c'est vrai que j'aimerais vraiment bien m'y mettre dans cette saga pour au moins tenter les spin-off, parce que vraiment il y en a pas mal qui me tentent. Donc je me suis notée celle-là. Ensuite, il y a une autre saga de 6 tomes, c'est Vampire Academy de Richel Mead. Alors celle-là, je sais pas trop si je vais aimer ou pas, mais j'en ai déjà entendu pas mal parler et c'est vrai que j'avais envie de tenter. J'ai juste un peu peur que ce soit trop dans l'humour et que ça me plaise pas forcément. Mais je me dis au pire, je peux tenter les premiers tomes. Là, c'est quand même des sagas qui sont sorties depuis pas mal de temps, donc je peux soit les trouver. Bah, là, pour Vampire Academy, c'est sorti en poche, ou alors ça doit être disponible en médiathèque également. Donc je tenterai peut-être le début de cette saga et je verrai bien si le style me plaît. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une saga. Voilà, je l'ai noté parce qu'elle m'intrigue. La saga Eragon, et franchement ça doit être, je sais pas combien de listes en fait où je mets cette saga, parce que c'est une saga qui me... J'ai envie de découvrir, une fois dans ma vie j'ai envie de lire cette saga, et en même temps j'ai peur que ce soit trop jeunesse pour moi. Donc il faudrait vraiment que je me lance et que j'arrête d'avoir des a priori sur cette saga, surtout qu'elle a vraiment de très très bons avis. En plus, il y a des éditions de poche qui sont vraiment magnifiques, donc voilà, c'est que 4 tomes, et après il y a également le spin-off, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, qui était sorti, mais j'aimerais bien au moins découvrir la saga principale. Ensuite, on passe à une saga qui est sortie il y a vraiment très longtemps, c'est la saga Evermore de Alison Noel. C'est une saga en 6 tomes et j'ai l'impression que c'est du fantastique. Je vous mettrai vraiment les résumés sur l'image à chaque fois que je vous affiche, si vous souhaitez mettre pause pour voir un petit peu les résumés. Mais moi, c'est vraiment juste une liste pour l'instant que je me suis faite, et j'avais bien envie de déjà farfouiller un petit peu parmi cette liste et parmi les autres titres que vous allez potentiellement me mettre dans les commentaires, parce qu'il y a des titres potentiellement je vais les lire dans 10 ou 11 mois. Donc voilà, ça servait à rien que je me fasse vraiment des résumés pour l'instant. Mais cette saga me tente bien, je l'avais vu énormément passer à l'époque. Ça me rappelle vraiment les titres un petit peu fantastiques à l'époque de Twilight et compagnie. Ça me rappelle un petit peu l'époque où je me suis vraiment remise à la lecture, et c'est pour ça que j'ai mis ce titre là. Et également Né à minuit de C.C. Hunter, qui est également une saga en 6 tomes. C'est un petit peu pour la même vibe que pour Evermore de Alison Noel, c'est juste que ça me rappelle vraiment cette période-là avec les titres de Twilight et tous les titres un petit peu fantastiques comme ça.
Donc voilà, c'est deux sagas qui sont déjà dispo en poche, c'est que 6 tomes, donc je me dis pourquoi pas tenter. Dans le même genre que la saga Eragon, c'est la saga Percy Jackson de Rick Riordan. C'est une saga que j'ai envie de lire depuis pas mal de temps. Et j'avais lu le premier tome, j'ai vu les films qui m'avaient pas forcément plu plus que ça, mais on m'a toujours dit que les livres étaient vraiment meilleurs. Donc j'aimerais bien m'y remettre et j'ai envie de m'y remettre assez rapidement, donc potentiellement. J'aimerais bien m'y remettre peut-être dans les prochaines semaines. Donc je vous tiendrai au courant, mais c'est une saga vraiment que je vais découvrir parce qu'il y a également Magnus et les dieux d'Asgard, je crois que c'est ça la série qui m'intrigue plutôt bien avec un univers un peu nordique. Et donc j'aimerais bien lire également la saga principale avec Percy Jackson. Ensuite, une saga que j'avais vue passer notamment sur la chaîne de Justine. Alors je sais plus le nom de sa chaîne, c'était Fairy Neverland, je crois que c'était ça. C'est une chaîne que j'adorais suivre vraiment à l'époque. C'était une des toutes premières chaînes booktube que j'ai suivies. Et elle avait lu à l'époque la saga Die For Me de Amy Plum, qui est une saga en 4 tomes. Et pareil, c'est du fantastique. Et ça a été traduit en français, mais en auto-édition sur Amazon. Enfin, en auto-édition, bah oui, un petit peu. Ça a été directement traduit de l'anglais comme ça. Un peu comme pour la saga Relentless de Karen Lynch. Et donc je suis un petit peu curieuse de voir ce que ça peut donner parce que ça fait pas mal de temps que j'ai envie de découvrir cette saga, donc je me la suis notée. Ensuite, il y a les deux sagas de Lainey Taylor que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir. Je sais pas pourquoi c'est toujours pas le cas. Il y a la saga La Marque des Anges que j'aimerais bien découvrir, mais là j'attends que le tome 3 sorte en poche, comme ça je pourrais potentiellement enchaîner les 3 assez rapidement. Et la saga Le Faiseur de Rêves qui par contre est déjà dispo, les deux tomes sont déjà dispo en poche, donc franchement que demander de plus. Et en plus de ça, c'est une saga qui me tente beaucoup. J'ai vu de très 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 bons avis quand c'était sorti chez Lumen en grand format. Et voilà, je sais toujours pas pourquoi je l'ai pas découverte parce que clairement ça a l'air d'être super. Un titre un petit peu entre jeunesse et young adulte, je pense, c'est une saga de 3 tomes, c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holz. J'avais pas envie de le découvrir quand c'est sorti à l'époque parce qu'on voyait absolument partout. Vraiment, cette saga, on l'a vu tellement partout que ça a fait l'effet inverse un petit peu, en mode j'ai pas envie de la lire quoi. Vraiment, et tout le monde en parle, du coup j'ai pas envie de la lire. Donc là je me dis, plus personne n'en parle, donc ce serait peut-être le moment pour moi de découvrir un petit peu cette saga. Donc, et en plus de ça, je n'ai jamais lu de titre de cet auteur, donc ce serait une découverte. Et la dernière saga que je me suis notée, c'est Un sort si noir et éternel de Bridget Kemmerer. Et là c'est une saga en 3 tomes. C'est une saga qui me tente bien, j'ai vraiment bien envie de la découvrir, mais pareil, j'attendais que les tomes sortent en français pour pas avoir un an à chaque fois entre la sortie de 2 tomes. Donc là le tome 2 est déjà dispo, il reste plus qu'un tome, donc je pourrais me mettre tranquillement à cette saga parce qu'elle me tente plutôt bien. Même si j'ai pas forcément vu d'excellents avis à chaque fois, j'ai plutôt vu des avis où c'était sympa ou un petit peu mitigé, mais j'ai quand même envie de la découvrir. Donc voilà un petit peu pour les sagas que je me suis déjà notées, pas mal de sagas, même des grosses sagas que je n'ai jamais lues, donc j'ai bien envie d'y remédier cette année. Il y a également pas mal de sagas que j'aimerais bien avancer, notamment Throne of Glass de Sarah J. Maas, parce que j'en suis... Alors j'avais relu que les deux premiers tomes, donc il faudrait que j'avance et j'aimerais bien me refaire la saga en VF également. Là il y a la sortie poche avec des poches qui... des couvertures poches qui me tentent plutôt bien, donc j'aimerais bien également avancer dans cette saga, surtout que je suis à jour sur tous ces autres titres de Sarah J. Maas. Donc j'aimerais bien avancer sur cette saga là. Après vous m'aviez noté tout ce qui est ACOTAR, après quoi, les Victoria Schwab, tout ce qui est Shades of Magic, je les avais lus également. Donc il y a pas mal de titres que j'ai pas dit dans la vidéo parce que c'est des sagas que j'ai déjà lues. Donc voilà, si jamais vous pensez à des sagas que je n'ai pas citées dans la vidéo ou que potentiellement j'aurais pas lu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Même si c'est une saga que j'ai déjà lue, c'est pas grave, au moins voilà, si c'est pas le cas, bah, je pourrais me la noter dans ma petite liste. Et je me suis uniquement noté 3 one-shots de Young Adult parce que pour l'instant, il y en a d'autres mais j'ai pas encore fouillé plus que ça. Donc là je vais vraiment vous demander vos avis pour les one-shots Young Adult parce que c'est pas forcément quelque chose... un genre vers lequel je me dirige facilement. Du coup, je me suis noté 3 titres. Le premier, c'est Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Ce livre-là, on l'avait tellement vu passer à sa sortie. Et il y avait également son autre titre, mais qui avait un peu moins fonctionné. Mais celui-là, par contre, je suis très curieuse de voir de quoi parle ce livre-là, parce qu'on l'avait tellement vu passer, ça avait été un gros coup de cœur pour plein de gens. Voilà, je me suis noté celui-là. Ensuite, il y a Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky. Moi, j'avais uniquement vu le film, que j'avais plutôt bien aimé. Mais je suis quand même curieuse de lire vraiment
le texte original, parce que déjà ça fait un moment que j'ai pas vu le film. Franchement, ça va faire une dizaine d'années que je l'avais vu, donc j'ai quand même oublié pas mal de choses parce que j'ai une mémoire vraiment de poisson rouge. Donc je me suis noté celui-là, et le dernier titre que je me suis noté, c'est Vous parlez de ça, de Laurie Halse Anderson, qui, alors le titre français vous dit peut-être rien, mais moi c'est le titre Speak en VO, puisque c'est un titre qui avait été adapté en film que j'ai pas vu non plus, mais que j'aimerais bien voir par la suite, et j'aimerais bien lire le livre d'abord. Donc voilà, un petit peu pour les one-shots que je me suis notés. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos titres, vos one-shots favoris par exemple, que ce soit récent ou pas récent du tout. Hein. Par exemple, Elisa et ses monstres, ça date d'il y a pas mal de temps. Bon, les trois datent hein, de toute façon, là c'est vraiment pas des one-shots récents. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre pas mal de recommandations dans les commentaires. Je vous remercie d'avance. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, vous a peut-être permis de découvrir d'anciennes sagas et d'anciens titres. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.